couvent des Cordeliers a été construit à partir de 1365 par la volonté de Jean II de la Chambre, vicomte de Maurienne, qui possédait le château de Notre-Dame du Cruet, le château Joly à Sainte-Marie-de-Cuisnes, la maison de la Tour à la Chambre et bien d'autres possessions, du temps du comte de Savoie Amédée VI, dit le comte Vert, après avoir eu l'approbation du comte de Savoie et du pape Urbain V de pouvoir implanter un couvent franciscain à la Chambre. On surnomme ce couvent les Cordeliers, car les moines franciscains portaient une cordelette, une sorte de petite corde autour de leur bure. La bure est la robe des moines. Ces moines franciscains possédaient des terres sur les communes de Saint-Rémy-de-Maurienne, à Saint-Sulpice, mais aussi en montagne, notamment à Mange-la-Fraye, au col de la Madeleine, où ils mettaient leurs vaches. Plus de 200 vaches ont été recensées à la Révolution. En face de ce couvent se trouvait un hôpital médiéval datant du XIIIe siècle, dont il ne reste que les bases des murs. Auparavant, il y aurait eu à cet endroit un prieuré bénédictin datant du XIe-XIIe siècle. On a retrouvé à l'intérieur du couvent des Cordeliers des restes d'anciennes peintures, des blasons et même un enfeu, c'est-à-dire une sépulture horizontale. Au Moyen-Âge, c'était un lieu de passage très important, puisque durant des siècles, la route principale reliant la France à l'Italie passait par le cœur de la Chambre. L'arc n'était pas endigué, et donc pas de National 6, ni de chemin de fer, ni d'autoroute, bien évidemment. À cette époque-là, les autoroutes, ça n'existait pas.
Il y avait dans ce couvent des Cordeliers une église, l'église Saint-François, avec une nef unique, un chœur, une sacristie, le tout construit en 1365. Le vicomte de la Chambre, Jean II, fit un don au départ de 200 florins aux moines pour leur couvent. Enfin, trois seigneurs de la Chambre auraient été enterrés dans l'ancienne église des Cordeliers, à savoir Jean III de la Chambre, chevalier de l'ordre du Collier, mort le 25 août 1418, Urbain de la Chambre, mort en 1445, et le dernier des vicomtes de la Chambre, Gaspard de la Chambre, mort sans postérité masculine, donc les successeurs seront la famille de Cecel. Le site a été acquis par la commune de la Chambre en 2008 et mérite d'être protégé. Depuis octobre 2021, le couvent des Cordeliers a été inscrit au titre des monuments historiques. Un historien local, Philippe de Mario, connaît très très bien le couvent des Cordeliers et a fait de nombreuses recherches sur celui-ci. Il a même écrit un livre sur les comtes de la Chambre, les seigneurs de la Chambre en Maurienne, des origines à l'abolition des droits féodaux. Ce livre est paru en 1999.